Alors, tout au long de cette émission, nous allons revenir sur la quatrième partie du livre Droit congolais de la régulation des médias, un livre écrit par Maître Trésor Likonda, qui est auteur de plusieurs livres, qui revient, qui parle des médias, qui parle des conditions, qui parle de la régulation des médias en République démocratique du Congo. Mais aussi, nous allons en profiter de l'occasion pour vous faire les points sur l'interpellation du journaliste Patrick Lokala. Vous savez, aujourd'hui, on pointe du doigt les patrons de la radio à Top Congo, Christian Alusakweno, qui serait à la base de cette plainte, la plainte permettant à la justice d'interpeller Patrick Lokala. Au cas où des journalistes se mettent dans un conflit, comment cela doit-il être réglé au niveau d'abord de l'organisation, peut-être de l'INPC, de l'organisation qui s'occupe des journalistes, avant même que les dossiers puissent arriver au niveau de la justice, certainement des mécanismes, des méthodes pour éviter ces genres de choses. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur certains comportements liés au CESA, que vous savez, aujourd'hui, on parle de cette affaire de la chanson, de cet artiste Petit Fally, qui a tenu des mots décourtois envers Patrick Emery, Patrice, voulais-je dire Emery Lumumba, lui qui serait interpellé par les CESAC. Est-ce que les CESAC a-t-il compétence de sanctionner les personnes physiques ou bien seulement les médias? Comment les petits CESAC peut-il arriver jusqu'à ce niveau? En revenant aussi sur l'arrestation l'autre fois des Maria Tumba, on parle des habits liés aux arrestations au niveau de la justice congolaise. Comment régler ça au moment où la RDC s'apprête, le ministre de la Justice s'apprête à organiser les états généraux de la justice pour essayer de faire les choses avec beaucoup de manières. Si le président Tshisekedi dit l'autre fois de parler d'une justice malade, Constant Mutamba voudrait certainement arranger des choses. Alors, des questions importantissimes pour ces numéros, énième numéro de votre émission Interface. Vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. J'ai parlé déjà de l'auteur de ces livres, de celui qui est en face de moi pour répondre à certaines questions importantissimes liées d'une manière générale au CESAC, à la justice congolaise, Maître Trésor Likonda. Il est cadre de la société civile, chercheur en droit, juriste des formations, mais ici il fait son troisième cycle pour les doctorants, ensuite certainement pourquoi pas devenir professeur. Maître Trésor, bonsoir et bienvenue. Salut, merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Interface qui passe sur la télévision CML 13 TV. Ah. Alors, content de vous revoir, de partager une fois encore ce plateau avec vous. Maître Trésor. Ok. Alors, d'entrée déjà, avant qu'on puisse aborder la quatrième partie de votre livre, cette partie qui parle des artères de la régulation des médias et leur rôle en République démocratique du Congo, j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer concernant cette question liée à l'interpellation, à l'arrestation, s'il faut le dire ainsi, du journaliste Patrick Lucas, là, on parle de ces conflits entre des journalistes, lui et Christian Lusakweno. Vous avez assisté également aux travaux préparatoires du congrès de l'INPC avec le nouveau président Kamanda Wakamanda Muzembe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité que ces genres de questions puissent être réglées tout d'abord au niveau de la corporation avant que ça puisse prendre une autre dimension, ça veut dire arriver au niveau de la justice? Votre réaction est chaude par rapport à ces dossiers? Ouais, d'entrée, je voudrais d'abord revenir sur les contours de l'arrestation de ces journalistes. J'ai suivi la vidéo sur les réseaux sociaux. En tout cas, je condamne d'abord le comportement des agents qui ont été envoyés pour exécuter les mandats, si c'était les mandats, et même les savent, mais la manière dont ils ont opéré ne frise pas la bonne moralité de la justice congolaise. Et il y avait des actes entre guillemets immoraux, des actes dégradants, des actes d'humiliation, les actes violents
à l'endroit du journaliste. Le fait déjà de filmer un justiciable, quelqu'un qui est en conflit avec la loi selon vous, c'est aussi une infraction. Vous le filmez pourquoi? Il n'est pas un esclave, même un esclave de sa date. L'histoire de l'esclavage n'existe plus. Vous arrêtez quelqu'un, il va se défendre. Amenez-le là où il faut. Et lui aussi va pouvoir peut-être user de ses droits pour pouvoir fournir ses moyens de défense. Mais humilier quelqu'un lors de l'arrestation, c'est vraiment une habitude malheureuse que nous sommes en train de vivre dans notre pays depuis un certain temps. Quand on envoie les agents pour arrêter, ils filment. Et en filmant, ils humilient la personne en jetant de l'opprobre sur lui. Alors que celui que vous arrêtez là, vous l'amenez où vous voulez, il peut ou ne pas être condamné. Et s'il n'est pas condamné, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à toutes ces humiliations-là? En tout cas, ça doit cesser. Et moi, je pense que dans les contextes, si je peux les lire rapidement, à la situation des États généraux de la justice, je pense que ceux qui auront l'opportunité de participer à ces États généraux pourront également réfléchir sur ces genres de questions. Donc, c'est là, on doit trouver une issue pour pouvoir stopper ces comportements-là. Et quand vous parlez d'une plainte d'un autre journaliste contre son confrère, moi, je pense que avant de parler de la plainte ou de la justice entre des journalistes, on devrait d'abord voir les comportements entre journalistes. Vous voyez, comme vous parlez ici, vous m'avez présenté votre émission, même si vous avez des problèmes avec votre confrère d'une autre chaîne, vous ne pouvez pas profiter de cette émission, de votre micro. Non, c'est pas comme ça. Un journaliste n'attaque pas un autre journaliste au micro. C'est un corps, le corps des journalistes. Un corps, quand on parle d'un corps, le corps a plusieurs parties. Mais c'est un corps. Vous pouvez être les bras. Votre confrère peut être l'oreille. Et quelqu'un d'autre, comme journaliste aussi, peut-être le nez. Mais vous appartenez à un corps. Vous voyez maintenant, votre bras prend le couteau et coupe votre oreille. Mais le corps sera toujours malade. Vous pensez avoir bien fait, mais vous êtes mal fait vous-même. Quand vous vous attaquez à votre confrère au micro, en plein exercice de votre profession. Mais vous jetez de l'opprobre à votre propre profession. Mais voilà, ça relève de ce qu'on appelle déontologie journaliste. Et même l'éthique aussi va de cela. Parce que un journaliste qui maîtrise bien l'éthique et la déontologie ne peut pas faire ça. Comme par exemple, vous ne pouvez pas arriver chez le médecin et trouver un médecin en train d'insulter un autre médecin, peut-être à l'hôpital. Alors là, c'est tout le corps des médecins qui va se saisir. Et les autres médecins vont se réunir pour pouvoir trouver des sanctions qu'il faut à l'endroit de celui qui a commencé à insulter un confrère en plein exercice de la profession. J'insiste sur ça. Si c'est en plein exercice de la profession, en tout cas, sur le plan de l'éthique, c'est interdit. Et même sur le plan de la déontologie. Alors, au-delà de ça, il faut maintenant voir pourquoi X journaliste a porté plainte contre Y journaliste, mais devant les instances judiciaires ou devant les parquets, par exemple. C'est peut-être parce que nous sommes dans un contexte où il y a les textes des lois. Et on ne veut pas les mettre en pratique ou bien en application. Vous voyez, cette question, je viens de dire qu'elle relève de l'éthique et de la déontologie. Cela revient à la profession, à la corporation, de se saisir et d'essayer de départager les deux journalistes sans l'intervention de tierces personnes. Cela veut dire que des personnes étrangères à la profession. Et qui va les faire? Je crois qu'à la maison, on va répondre UNPC. Parce que ça date, on sait que c'est l'UNPC qui joue ce rôle selon une convention des journalistes. Mais
depuis le 13 mai 2023, il y a eu ce qu'on appelle ordonnance-loi portant modalité d'exercice des libertés de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, par la presse écrite ou tout autre moyen de communication. Et cette ordonnance-loi a institué ou prévu un nouvel organe qu'on appelle instance en charge de l'autorégulation. Et cette ordonnance-loi a donné quelques rôles à cette instance-là. Il est maintenant question de voir comment installer l'instance en charge de l'autorégulation de la profession et définir sa mission, ses attributions, sa composition, ses pouvoirs au sein de la corporation. C'est cette instance-là qui doit veiller aux règles éthiques et des déontologies au sein de la profession. Et l'ordonnance-loi ne parle pas, ne nomme pas si à la place une autre structure peut jouer ces rôles-là. Donc il faut, le débat doit tourner autour de l'installation de l'instance en charge de l'autorégulation de la profession. Sinon, peut-être ces journalistes-là ne seraient pas partis au parquet pour accuser son confrère. Il passerait par l'instance en charge de l'autorégulation d'abord, avant de voir ailleurs. Vous voyez ? Donc, on est peut-être, on le fait exprès, alors qu'on sait que la loi est là. Mais on ne veut pas appliquer cette loi. Je relance, pourquoi pas, avant même la mise en œuvre ou bien l'installation de cette instance, au moment où l'INPC est encore là, même si cette ordonnance loi est venue changer les choses, mais il y avait quand même la possibilité, si y a ces genres de conflits entre des journalistes en attendant la nouvelle instance, qu'on puisse passer par l'INPC pour que l'INPC puisse trouver une solution quant à un tel dossier. Jusqu'à preuve du contraire, l'UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, continue à être association sans but lucratif, une ASBL. J'ai été invité, j'avais eu l'opportunité de participer au, je crois, 13e congrès de l'UNPC. Pas comme tous les invités, mais parce que quelqu'un parmi ceux qui étaient là avait vraiment voulu que moi je sois là. Et j'avais participé. Comme espère. J'avais participé donc à titre de bénévolat. Tous les autres étaient logés là-bas, au centre Nganda. Moi, je n'étais pas logé. Je n'avais droit à rien là-bas. Seulement que on voulait des mois pour contribuer au débat. Et j'avais trouvé ça pas mal. J'avais participé des jours durant. J'ai pris part active à la commission des statuts de l'UNPC, commission de modification des statuts. Et tous ceux qui étaient là savent les rôles que j'ai joués pour ces statuts-là. Mais les statuts d'Ina Esbel, sur la page de garde du document qui a été distribué dans la salle, il a été mentionné la personnalité juridique de l'UNPC comme association sans but lucratif. Je n'invente rien parce que moi, je n'avais pas distribué des documents là-bas. Mais ceux qui avaient participé à ces congrès avaient vu que sur les documents statuts mentionnés, UNPC ASBL et les numéros de la personnalité juridique de 2004. Et c'est cette personnalité juridique qui couvre l'UNPC jusqu'à présent. Et lorsqu'on va déposer les actes du congrès, peut-être au ministère de la Justice, on doit revenir sur la même personnalité juridique pour prendre acte ou bien accepter ou ne pas accepter les actes de modification. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je suis en train de dire et je répète que l'UNPC continue à être une ASBL. Alors, si les deux journalistes s'y réclament membres de l'ASBL UNPC, et qu'ils trouvent nécessaire d'aller là-bas, au sein de leur association, ce n'est pas un problème. C'est leur droit le plus légitime. Mais cela n'engage pas toute la corporation.
Mais au moment où la justice s'en est saisie déjà de ce dossier, même si des journalistes sont partis au sein de l'INPC, ça serait certainement impossible pour l'INPC de retirer ces dossiers au niveau de la justice pour qu'elle-même elle puisse s'en saisir. Mais ce que moi je peux dire, si c'est lui-là, elle est en train de me suivre, de me suivre, le plaignant, si ce journaliste-là me suit, moi je pense qu'il aurait été peut-être agréable de passer par soit le CESAC, soit soumettre une demande des droits de réponse. Laissez ça, mais laissez ça. Non, attendez, Wow. je m'explique. Wow. Si les journalistes appréhendés avaient tenu des propos discourtois, peut-être sur une chaîne ou en pleine émission, l'autre devait simplement solliciter son droit de réponse. Il devait aller répondre à tout ça. Si c'était des accusations ou quoi, on allait lui accorder l'espace pour répondre. C'est un jeu normal. Et tout journaliste professionnel. Si nous demandons aux gens qui suivent les médias et qui sont lésés par une information de solliciter les droits de réponse, et à combien plus forte raison un journaliste professionnel ne doit-il pas le faire contre son confrère? Il va directement saisir le parquet. C'est aussi son droit de saisir le parquet. Mais il est dans quel contexte? Il est dans le contexte où un confrère journaliste a tenu des propos discourtois contre lui, mais sur un média. Et lui sait qu'on commence par les droits de réponse. Il faut demander. Est-ce qu'il a fait ça? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il l'avait fait et qu'on lui a refusé. Ça aussi, c'est un élément. Mais s'il ne l'avait pas fait, en tout cas, il est allé vite en besogne. Pourquoi je parle du CESAC? Au-delà de ça, il devait passer aussi par le CESAC parce que les propos ont été tenus sur un média. Il devait saisir le CESAC contre ces médias-là qui avaient laissé son espace à l'autre journaliste de tenir des propos discourtois. Au risque pour le CESAC, cette fois-là, de ne pas seulement suspendre, par exemple, à interpeller ces médias, cette émission, mais aussi aller même à suspendre les présentateurs, ou bien les journalistes qui présentaient cette émission, comme ce fut le cas à l'époque La sanction, avec l'UFRANCE qui a été suspendue par le CESAC. la sanction du CESAC sur un média influe sur le travail du journaliste et même sur sa survie. Si CML 13 est fermé, vous n'allez pas m'inviter ici. Vous allez rester à la maison. Vous voyez? Il y a une influence directe sur votre travail. Au risque même que le responsable de la chaîne puisse prendre des mesures drastiques sur vous. Parce que c'est à cause de vous, journalistes, que les médias est peut-être fermé. Donc il y a une conséquence directe. Le CESAC n'a pas à outrepasser sa loi organique parce qu'il veut à tout prix sanctionner un professionnel des médias. Non. En sanctionnant un média, le professionnel aussi est touché indirectement. Donc, le CESAC n'a pas à aller vers les professionnels. Voyez. Et donc, là, je suis en train de dire aussi que lors des états généraux de la justice, on table également sur la procédure en matière de la presse, en Sans matière parler des du délit médias. de presse aujourd'hui. Le délit de presse, là, n'a pas existé dans notre pays. Délit de presse, ça n'existe pas. Ça ne peut exister que si le CESAC le veut. La charge revient au CESAC d'attraire soit un média, soit un professionnel des médias, devant les instances judiciaires. N'importe qui ne peut pas saisir soit le parquet, soit le juge directement contre un journaliste. Peu importe son statut social, il ne peut pas. Mais nos juges, la plupart de ceux qui ont le pouvoir d'arrêter, le pouvoir d'instruire des dossiers judiciaires, font semblant de ne pas lire la loi sur les médias. Et même si ils lisent cette loi, peut-être que la question déjà
en rapport avec les droits de réponse leur échappent. Le législateur n'a pas prévu les droits de réponse par plaisir. Tout doit commencer par là. Vous êtes lésé. Commencez par solliciter votre droit de réponse. Tout doit partir de là. Et si ça arrivait par rapport aux états généraux de la justice, qu'on puisse insérer ça, ça veut dire quand il y a ce genre de conflit entre des journalistes, et puis si l'un des allait déposer une plainte au niveau de la justice, que la justice puisse rappeler à ces journalistes et de rentrer au niveau de leur corporation pour que la corporation puisse régler ces problèmes. Question d'harmoniser certains textes et de former des magistrats. Spécialisés. Oui. Sur la procédure liée à la presse, aux médias. Et ce qui n'est pas le cas. Voyez même, pour les problèmes de détournement des données publiques, on condamne. Et là, vous allez assister à un procès où le juge est saisi parce que quelqu'un avait gagné un marché public et à un moment, c'est devenu un détournement des données publiques. Possible. Dans le contexte de notre pays, depuis 2010, le législateur congolais a déjà bouleversé les choses. Vous voyez ? Donc, en cette matière-là, le détournement des données publiques n'est plus une infraction en matière des marchés publics, de l'exécution des marchés publics. Ça devient quoi ? Il y a une loi de 2010 relative aux marchés publics. Cette loi, si on lit l'article 77 qui donne la procédure pour condamner, cet article prévoit des peines à prendre en cette matière-là. Servitude pénale, on doit prononcer le double de la peine de servitude pénale. Soit on inflige une amende. L'amende, c'est aussi une peine. Alors, quand la loi spéciale donne cette orientation-là, les juges saisis en cette matière de passation ou d'exécution des marchés publics pour une infraction de détournement des données publiques, doit interroger d'abord la loi sur les marchés publics. Qu'est-ce que dit cette loi en matière de procédure? Ça s'appelle loi des procédures. Il faut l'interroger. Et cette loi fait partie de ce qu'on appelle droit pénal spécial. Et le code pénal compte deux livres. Livre premier, livre D. Le livre premier là, c'est ce livre qui forme ce qu'on appelle droit pénal spécial. Plutôt, droit pénal général. Le droit pénal général, c'est le droit de la procédure en matière pénale. Avant d'appliquer le livre D du code pénal, on finit d'abord par interroger le code premier qui forme le droit pénal général. Les droits de la forme. Et là, on doit interroger la loi relative au marché public et cette loi doit vous dire que en matière des marchés publics, il n'y a que deux peines. Servitude pénale, vous prononcez le double de la peine et amende. Et maintenant, quand vous arrivez au niveau du code, du livre D, du code pénal, pour chercher l'infraction de détournement des données publiques en question, l'article 145 vous dit que cette infraction est punie de la peine des travaux forcés. Vous revenez encore à la loi relative au marché public pour rechercher la peine des travaux forcés. Vous n'allez trouver aucun article qui parle des travaux forcés. Cela veut dire que la loi relative au marché public a exclu toute autre peine en dehors des servitudes pénales et de l'amende. D'où l'infraction des détournements des deniers publics est exclue. Parce qu'il y a ni des travaux forcés et non des servitudes pénales. Tout ça, c'est des choses à régler. Cette procédure-là doit être bien assimilée. Nos juges doivent être mis à niveau. Pour ne pas condamner des gens comme on le voit ici. Et quand on condamne nos travaux forcés, la finalité, la personne va en prison. Or, quand on condamne nos travaux forcés, on n'envoie pas quelqu'un en prison. Il y a une manière pour exécuter la peine des travaux forcés. Vous voyez, on les envoie en prison
Après quelques mois, ils sont ici dehors. Et on crie à quel type de justice? Justice et Koufa. C'était le cas même de Caméré à l'époque. Non, Caméré avait suivi toutes les étapes d'un procès prévu en droit judiciaire congolais. Il a franchi toutes les étapes jusqu'au niveau des cassations. Et il est revenu à la cour d'appel par un arrêt de cassation avec renvoi. Et là, il a été acquitté. Donc Caméré a été acquitté. Lui n'a plus de problème avec la justice congolaise. On doit éviter de l'accuser à tort. Il a été acquitté. Cela veut dire que la justice congolaise a trouvé que lui n'a plus rien comme problème. Il est lavé de toutes les accusations. Alors nous devons respecter notre justice sur ces points-là. Donc, entre deux journalistes, ils ne peuvent pas arriver là sans passer par l'organe qui s'occupe de l'autorégulation. Et actuellement, l'ordonnance loi du 13 mars 2023 nous parle de l'instance en charge de l'autorégulation de la profession qu'on doit installer officiellement. J'ai écrit au ministre de la Communication et des Médias. Avec transmis copie pour information à toutes les autorités concernées par cette question, dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour demander qu'on installe l'instance en charge de l'autorégulation de la profession. Et j'ai donné quelques idées maîtresses pour moi, pour aider aussi à ce que cela se fasse dans de meilleures conditions. J'ai même suggéré, pour l'autonomie financière de cette instance, qu'on crée une redevance de l'autorégulation. Et s'ils vont me poser la question, qui en seront les redevables? Je vais répondre, parce que dans la lettre, je n'ai pas donné cette réponse-là. Mais c'est vraiment important d'installer ça. Et je n'ai pas fermé la porte à l'UNPC. S'ils voudront que l'UNPC joue le rôle de l'instance en charge de l'autorégulation de la profession, plutôt, dans la lettre, j'ai également dit ce qu'il faut faire. Donc il y a possibilité. Il y a possibilité. Là, en ce moment-là, on aura des instances. Mais vous savez, j'ai tiré ça du livre de mon frère que j'aime bien. Patient Ligaudi d'actualité.cd, il a publié un livre intéressant, cadre légal sur les médias. J'ai lu quelque part là, il a expliqué pourquoi dans l'ordonnance loi du 13 mars on n'avait pas mis UNPC au lieu des instances en charge de l'autorégulation. Des courants lors des états généraux étaient en opposition, un courant qui ne voudrait pas de l'UNPC parce que c'était, bon, c'est une ASBL et qu'on ne pouvait pas mettre une ASBL dans une loi. Vous voyez? Un autre courant disait que c'était possible. Et finalement, il s'était... Entendu. Non, il y avait... Donc, les débats avaient débouché sur une solution non satisfaisante. Cela veut dire que ceux qui avaient la police des débats avaient dit, bon, mettons ces débats de côté et avançons. C'est ainsi que on s'est retrouvé avec un organe fantôme qu'on appelle instance en charge de l'autorégulation de la profession. Mais c'est parce qu'on a déjà mis ça dans la loi, nous devons nous incliner. Vous étiez là-bas. Vous n'avez pas trouvé la solution par rapport ou favorable à l'UNPC. Et maintenant qu'on a déjà mis dans la loi un autre organe, à qui la faute? Il faut une convention pour violer la loi ou bien nous... à respecter. Voilà. On doit se soumettre à la loi. Et dès lors qu'on a installé cette instance, des questions comme celle-ci pourraient être bien réglées sans problème. Alors, Maître Trésor, on va prendre la quatrième partie de votre livre. Sur les droits congolais de la régulation des médias, où vous revenez sur les artères de la régulation des médias et leur rôle.
De quoi il s'agit ici, d'entrée de jeu? Les acteurs de la régulation des médias. Mais voilà, aujourd'hui, parce qu'à un moment, vous avez parlé du CESAC qui interpellait tout le monde à la fois. Et aujourd'hui, on parle d'un artiste musicien. Tantôt, il interpelle des individus. Bon, il n'est pas dans sa première interpellation d'un artiste musicien. Kofi Olomide l'a été déjà. On a vu même le pasteur Marcelo. Voilà. Voilà, interpellé par les et même Félix Oisé, quoi, aussi, était passé par là. Mais moi, je me demande, pourquoi ne doit-on pas aider le CESAC à faire son travail conformément à la Constitution et à sa propre loi organique? Et chaque fois qu'on interpelle ces gens-là, on les invite, le CESAC évoque toujours l'article 62 de sa propre loi organique. Mais pourquoi les gens ne veulent pas lire cet article? Ou bien ils le lisent, mais ils ne veulent pas dire au CESAC la vérité. Que cet article-là parle uniquement de l'entreprise de presse, ni des professionnels des médias, ni d'autres personnes physiques. Mais même ceux qui proposent cet article au bureau du CESAC ou à l'assemblée plénière du CESAC, ils ne les lisent pas, les gens qui sont là-bas. Ça donne quelle image de notre CESAC? Ça donne quelle image de notre autorité de régulation des médias? Non, ça, nous devons vraiment quitter ce stade-là, de continuer à ternir l'image du CESAC. Nous devons l'aider. Le CESAC ne joue pas le rôle de tous les organes du pays. En matière de chansons des musiciens, il y a une commission de censure des musiques qui travaille. Se trouvant à l'intérieur du CESAC. Non! Ce n'est pas une branche du CESAC. Le CESAC est venu trouver cette commission. Ça existait depuis. Même avant la haute autorité des médias, cette commission avait existé. Elle existe. Le CESAC est venu trouver cette commission. Mais comment le CESAC peut-il inviter les artistes et musiciens? Et surtout pour les chansons, le contenu de leurs chansons. Le CESAC n'est pas l'autorité de régulation des contenus des chansons des artistes et musiciens. L'abus du pouvoir. Et tout le monde est en train de regarder ça. On applaudit même. Et on crie, Babengi, musicien, on en a CESAC. Et il y a même des chroniqueurs de musique qui, lorsqu'ils reçoivent les musiciens, commencent à dire Keba, CESAC, Akobenga. Mais le CESAC doit inviter un artiste, un musicien, sur base de quelle loi? Parce que le CESAC lui-même, quand il évoque l'article 62, si c'est alinéa ou 1 ou 2 de sa propre loi organique, tous ceux qui sont là-bas au CESAC savent que cet article parle seulement de l'entreprise de presse. Tout le monde peut chercher cette loi maintenant et vérifier. Donc, en tout cas, j'exhorte aux gens qui sont au CESAC de sauver l'image de cette institution d'appui à la démocratie. Nous devons également aider l'actuel président. Parce que c'est lui qui signe des documents. Je sais qu'il y a des gens qui préparent ces documents et lui ne fait que signer. Et quand il signe, il endosse la responsabilité. Et c'est ça le mal. C'est un juriste de talent. Il est extrêmement intelligent. Un journaliste aguerri. Mais quand il signe des documents, bon, peut-être parce qu'il est trop pris, il n'a pas le temps de tout lire. Mais ses collaborateurs doivent l'aider. Parce que ça ternit vraiment l'image du CESAC. Ça, je dois le dire tout haut. Et si je ne le dis pas, là, je suis mauvais. Il doit les considérer comme ça. Je préfère dire ça. Bon, il est aussi trop pris. Parce que quelqu'un peut dire là à la maison, non, Kende Kota là, ça y est, mon côté. J'ai dit ça à la télé parce que je suis invité. Alors, nous devons comme ça
mettre à sa disposition ce que nous avons comme idée pour l'aider aussi à mieux faire les choses. Là, il n'y a pas, il y a aucun ami sous et là-bas, il sait que au Salimabé, c'est en violation de la loi organique, dit c'est ça qu'on a invité cet artiste musicien. Moi, j'aurais aimé entendre que l'artiste musicien en question a été peut-être invité par la commission des censures de musique. Ça passerait. Alors, j'ai pris un peu de temps pour parler de ça parce que la régulation des médias n'est pas seulement l'affaire du CESAC. C'est encore l'affaire de qui? Certes, le CESAC est autorité de régulation des médias. Mais la Constitution qui l'institue le présente comme une institution d'appui à la démocratie. Cela veut dire que c'est une affaire de tous. Mais quand on parle de la démocratie, ne donne pas l'amabilité de sanctionner les personnes que lui veut sanctionner, journalistes, musiciens, pasteurs et tant d'autres. Les compétences sont d'attribution. Même un juriste ou bien bon, en gestation, hein, un étudiant qui commence bon, son premier gradué pour l'ancien système, bon, sa première année de licence pour le système LMD, les premiers cours qu'il va suivre là, les premiers cours de droit qu'il va suivre, seulement dans ces cours-là, on doit lui dire que les compétences sont d'attribution. S'il n'y a pas un texte, il n'y a pas de compétences. On ne peut pas dire que parce que je suis ici, que je dois tout faire. Vous êtes là parce qu'il y a un texte. Pour être là, on a pris un texte et on vous a nommé. Bon, les membres du bureau du CESAC sont les résultats d'un vote de leur père, de tous les membres du CESAC. Ils ont voté parmi eux 5 membres pour conduire les bureaux. Vous voyez? Mais tous les membres du CESAC sont issus de l'acte d'investiture. Ils ont été investis avant d'entrer en fonction. Et sans l'investiture, ils ne poseraient pas des actes. Et ils ont été investis parce qu'il y a un texte. Et si ce texte ne prévoyait pas l'investiture, ils ne pouvaient pas être investis. Et aujourd'hui, après leur investiture, ils commencent à poser des actes parce qu'ils ont été investis. Des actes qui ne sont pas prévus par la loi. Non. Aucune loi ne donne la compétence au CESAC pour sanctionner les professionnels des médias, ni les personnes ni les personnes physiques. Et, a fortiori, les artistes et musiciens. C'est pourquoi même vous parlez dans votre livre du système pluraliste et bilatéraux dans le média. Mais voilà. Donc, la régulation des médias, c'est une affaire de tous. Vous allez trouver là-bas, j'ai parlé parmi les acteurs. Un, il y a les promoteurs des médias, il y a les professionnels des médias, et vous allez trouver le public. Vous voyez, le public est parmi les acteurs de la régulation des médias. Parce que s'il n'y a pas de promoteurs des médias, donc les médias ne vont pas exister. Qui crée des médias. Sans les promoteurs des médias, les médias n'existent pas. Ils doivent être impliqués dans la régulation. Les médias sont là. Les professionnels des médias. Les médias existent. Sans les professionnels, les médias ne peuvent pas fonctionner. Quand on parle des professionnels des médias, on voit les journalistes professionnels, on voit les opérateurs de prise de vue, les opérateurs de prise de son, on voit les caricaturistes, on voit les caméramans, et donc on voit les interprètes qui les font pour la presse, on voit les traducteurs. Ils sont nombreux, les professionnels. Ils sont aussi acteurs de la régulation des médias. Et ils jouent quel rôle? Ils jouent le rôle, les professionnels des médias jouent le rôle de l'application des textes dans l'exercice
de leur métier. Quand on parle des règles d'éthique et de déontologie, l'éthique, beaucoup de gens ne le savent pas, l'éthique ne relève pas des textes. Il n'y a pas une loi qui reprend les articles sur l'éthique. L'éthique relève de la morale, de la règle morale. L'éthique relève du comportement inné d'une personne, de son environnement, de la société. Vous savez que peut-être là où moi j'habite, à 20h, la porte doit être fermée. Personne ne peut pas vous forcer. Vous devez être là, vous-même, pour ne pas gêner les autres. Vous voyez, c'est l'éthique, la règle de la morale. La règle de la morale. Comme ces députés nationaux, journalistes devenus députés nationaux, qui continuent à présenter les émissions, et il dit qu'il n'y a pas une loi qui interdit cela. Mais l'éthique, la règle de la morale, veut que, parce que vous êtes devenu député politique, vous ne pouvez pas continuer à présenter les émissions. Même pour la règle, pour cette morale-là, vous ne pouvez pas vraiment vous-même abandonner. Cessez de présenter les émissions. Vous attendez qu'on vous appelle ou qu'on vous interpelle pour commencer à chercher des théories qui n'existent nulle part. Même le CESAC voit ça, mais il garde silence. Mais le CESAC, lui-même, il ne laisse la pas constitution, le CESAC d'ailleurs, la constitution le rappeler. D'ailleurs, la Constitution a donné cette mission au CESAC. Article 12. De veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie en matière d'information. Il y a un texte, c'est ce que la c'est Constitution. Ça qu'il n'arrive pas à faire en ce qui concerne voilà. ces députés qui restent toujours. Au lieu de s'apprendre à des médias qui laissent ces genres de députés présenter des émissions, c'est ça qui invite les artistes et musiciens. Vous voyez maintenant? Il y a également parmi... Parallélisme des formes et de la compétence. Mais voilà. Et c'est là qu'il y a un problème parce que les règles d'éthique et les déontologies sont mises en pratique par les professionnels des médias, les pratiquants. Dix métiers. Vous allez trouver le public. Sans un public, votre chaîne n'est pas un média. Et le public qui est à la maison, aujourd'hui, partout, si vous faites les sondages, seulement ici à Kinshasa, à 90% de la population kinoise, on vous dira Tolemba bate vu Yabiso Tolingaota la ngote. Nous, on préfère les chaînes internationales, étrangères. Pourquoi? Mais c'est justement à cause du contenu. Le contenu qu'on offre au public ne correspond pas aux attentes de ces publics. Je ne parle pas de CML13. Il y a des exceptions. Alors, le public, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a droit. Et l'article 24 de la Constitution dit que toute personne a droit à l'information. C'est un droit. C'est là qu'il y a le rôle du public dans la régulation des médias. Vous ne pouvez pas réguler les médias sans associer le public. Bon, le CESAC, qui éprouve d'énormes difficultés. On associe les publics de quelle manière? Mais le CESAC qui éprouve des difficultés pour arriver, par exemple, à Yakoma. Vous connaissez Yakoma? C'est un territoire dans la province du Nord Oubangui. J'attends parler de ça. Le CESAC qui peut aller réguler les médias à Yakoma? Impossible, certainement. Mais voilà. Mais si le CESAC implique le public, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs des journaux et des articles de presse en ligne, le CESAC peut vite couvrir toute l'étendue du pays et remettre de l'ordre. Et comment le CESAC doit-il impliquer ses publics? Tout ça, c'est contenu dans les livres. Mais j'ai donné quand même une proposition, je peux révéler ça ici, que le CESAC peut instaurer le système de publication des annuaires des médias congolais. Chaque année, il publie la liste des médias congolais en règle. Vous voyez? En règle par rapport au contenu.
par rapport au contenu, par rapport aux différents textes de loi et réglementaires, que télévision X est en règle, elle peut fonctionner sans problème. Radio X est en règle. Et le CESEC peut même associer l'administration fiscale pour des cas qui nécessitent le paiement des taxes, des impôts. Ça doit éclairer le public et le public saura faire les choix. Et si le public trouve que dans l'annuaire du CESEC, Radio X qui émet à Boudjala, n'est pas en règle. Mais c'est le public qui va faire fermer cette radio. Et le CESEC ne va plus fournir d'efforts. Le public lui-même va appeler le CESEC, dit, prenez une mesure, cette radio n'est pas en règle. Parce que dans votre annuaire, elle ne se retrouve pas. Elle doit fermer. Et ça doit cesser. Et le public lui-même va commencer à suivre les contenus. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'annuaire, j'ai dit qu'on doit également mettre les grilles des programmes, les cahiers des charges type. On doit mettre ça. Et on saura qui fait quoi et pourquoi. Le public doit s'impliquer et il doit aider les CESEC à mieux faire le travail, à mieux exercer ou accomplir sa mission. Et là, j'ai développé la dimension co-régulation. Pourquoi? Parce que depuis, il y a toujours la régulation et l'autorégulation. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui doit conduire l'autorégulation. Parce que l'UNPC continue à être ASBL et on ne veut pas aussi installer instance en charge de l'autorégulation de la profession. Ça reste un problème, une préoccupation permanente en ce qui concerne l'autorégulation. Or, l'autorégulation concerne seulement les professionnels des médias. Entre eux, le public ne vient pas là-bas. Vous voyez, le public ne vient pas là-bas. Alors maintenant, depuis l'avènement, on a connu la puissance des réseaux sociaux, des médias sociaux. Les journalistes, les professionnels des médias ne sont plus les seuls à porter des critiques sur leur propre information ou sur les déclarations des acteurs politiques, des acteurs sociaux, des différentes personnalités. Le public s'est invité dans ces débats-là. Vous les voyez à travers les médias sociaux qu'on appelle TikTok, qu'on appelle YouTube, qu'on appelle Instagram, qu'on appelle Facebook, qu'on appelle Twitter devenu X. Certains ne veulent pas qu'on parle des médias. Mais il s'agit des médias. Vous les appelez réseaux sociaux, mais ce sont des médias. Et tout le monde est devenu professionnel des médias. Des médias. Nous sommes ici. Il y a un événement à Maluku. En temps réel, nous pouvons être informés par quelqu'un qui a son salon de coiffure sous l'arbre à Maluku. Il balance seulement quelque chose sur Facebook. Tous, on est informés. Il n'a pas appris le journalisme pour faire ça. Mais il informe parce que la presse fait de l'information. Ce que lui a fait là-bas à Maluku, c'est quoi? C'est l'information. Alors, maintenant que lui ne doit pas être impliqué dans la régulation des médias. Mais il faut l'associer. Il faut l'associer. Parmi les acteurs, les publics. Et j'ai parlé également du Parlement. J'ai parlé des assemblées provinciales. C'est d'ailleurs ce que je voulais évoquer ici parce qu'on est déjà en train de chiter avec l'émission. Je voulais un peu vous relancer, mais vu que vous abordez ça, vous continuez. Ouais. J'ai parlé du Parlement. Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale. Il y a également les organes législatifs, des entités territoriales décentralisées. Mais ce sont eux qui créent des textes, non? Des lois et tout. Si nous voulons organiser quelque chose de manière solide, nous devons passer par soit le Parlement, soit par
les assemblées provinciales. Et depuis le 18 février 2006, dans notre pays, les médias, la presse, si vous voulez, n'est plus l'apanage du pouvoir central seul. La législation de la presse est maintenant à double niveau, à deux niveaux. Il faut une législation nationale et une législation provinciale. C'est en vertu de l'article 203 de la Constitution. Je crois point 13, quelque chose comme ça. Radio, télévision, la presse relève des matières de la compétence concurrente entre les pouvoirs centraux et les provinces. Alors, nous avons une législation sur la presse au niveau national et cette législation ne tient même pas compte des aspects de la législation qu'on doit prendre au niveau des provinces. Et c'est le même problème qu'on connaît par rapport à la loi relative au marché public. Les provinces, beaucoup de provinces ne se réfèrent pas à cette loi parce que la Constitution a renvoyé cette matière aux provinces, mais on a pris une loi au niveau national. On a pris une loi au niveau national. On doit tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, on doit revenir au Parlement pour demander au Parlement de nous aider à bien asseoir les textes. Et il y en a des textes qui restent également pour la presse au niveau de la Constitution, comme pour les principes fondamentaux relatifs à l'organisation des médias. La Constitution prévoit qu'une loi fixe ces principes-là. Mais jusqu'à présent, personne n'en parle. Donc, les parlements, les assemblées provinciales sont aussi acteurs de la régulation des médias. Donc, quelle est la mission aussi directement? Et les cours et tribunaux, les parquets, ils contribuent également. Mais je suis seulement très choqué qu'on n'associe pas les cours et tribunaux, les parquets, dans l'élaboration des textes sur la presse. On les associe seulement quand on a des problèmes avec un journaliste, un professionnel des médias. Quand on n'est pas en odeur de sainteté avec ces journalistes-là, on doit l'envoyer chez les juges. On doit l'envoyer au parquet. Sans dire au parquet ce qu'il doit faire avant d'instruire un dossier à charge d'un professionnel des médias. Il doit recourir, le parquet doit recourir à la plainte préalable du CESAC. Le parquet ne peut pas instruire un dossier à charge d'un journaliste à l'absence d'une plainte de l'autorité de régulation des médias. Parce que là, le parquet doit tabler sur les contenus d'une émission d'un média. Et seul compétent pour apprécier les contenus d'un média dans notre pays, c'est seulement le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les juges, les magistrats, lui n'a pas cette compétence-là de dire que ces contenus violent la loi. Non, ces contenus violent les règles d'éthique et de déontologie. Les juges n'ont pas cette compétence-là. Il n'est pas investi de ce pouvoir-là. Il faut l'appréciation du CESAC. On doit, si le parquet est saisi, lui, le parquet, peut aussi saisir le CESAC directement pour dire que nous avons une plainte contre un journaliste X. Alors, aidez-nous maintenant par rapport à ça. Voilà. Appréciez. Dites-nous si nous pouvons instruire ou non. Le parquet le fait chaque fois qu'on les saisit contre un député national. Il saisit le président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ne le fait-il pas pour la presse, pour les journalistes? C'est une procédure qu'on doit réexaminer, qu'on doit chercher à inculquer ça dans l'esprit des magistrats, du parquet, des juges. Parce que c'est la loi qui le veut, la loi organique du CESAC, dit que seul le CESAC peut saisir les instances judiciaires contre un professionnel des médias. Ce n'est pas pour rien qu'on a écrit ça.
Alors, s'ils veulent qu'on engage un débat lors des états généraux de la justice, et j'invite les ministres de la communication et des médias, les conseils supérieurs de l'audiovisuel, et lui-même le ministre d'État, ministre de la justice, à se pencher sur cette question pour essayer de sauver les meubles. Je crois que la régulation des médias dans notre pays n'est pas seulement l'apanage du CESAC, mais c'est au CESAC de conduire les choses pour impliquer tous les autres acteurs. Vous le voyez même pour l'autre institution d'appui à la démocratie, CENI. La CENI invite les acteurs des élections comme les partis politiques, les confessions religieuses. La CENI les invite toujours. Mais pourquoi le CESAC doit s'accaparer de la régulation des médias seuls? Ce n'est pas possible. Pourquoi vous voyez, ces derniers temps, il y a beaucoup de dérapages du côté du CESAC. Ça, on doit le dire et ça doit cesser. Maître Trésor Likonza, merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit, juriste de formation, mais aussi auteur de plusieurs livres qui abordent des questions liées aux médias, à la régulation des médias en République démocratique du Congo, comme celui qu'on a abordé aujourd'hui. Votre dernier livre qui parle sur les droits congolais de la régulation des médias. Je pense que les 7 parties de ces livres, on a abordé 4 parties. Ça nous reste 3 parties, lentement mais sûrement, on va commencer à... On va aborder ces trois. Il y en a 8 au total. Huit parties. On a abordé 5. Ouais. Les 3 qui restent, notamment, c'est la procédure devant l'autorité de régulation, la caricature du CESAC, ou encore les fondements et l'importance du plan, tout ça. Et, ou encore des perspectives, plan stratégique de la régulation. Mmh. On va aborder 7 ans. Il y a plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Je suis très, très ravi d'être toujours invité par CML13 et surtout que CML13 accorde une importance particulière à ces livres. Ceux qui le voudront pourront passer au palais de justice. Il est en vente là-bas. Vous passez par la porte qui mène au parquet de grande instance, juste en bas de l'escalier, il y a une table. Le livre est en vente là-bas. Ou bien encore vous contacter personnellement. Oui, au plus 243 85 81 97 611. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 16h pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République. Vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.